si je pèse sur G, ben, je peux le lancer parce que des strobes, ça sert de grenade hier aussi. Mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez, une fois que vous l'avez activé, dans le fond, vous l'avez dans votre inventaire essentiellement. Puis là, vous pouvez faire le équipement, attach item, puis ça devrait fonctionner. Fait que comme là, j'en ai mis un présentement. Je vous annonce officiellement le début de la mission, attaquer des gens qui sont pas comme nous. No racism. Ouais, on est le coca, mais y a pas de racism à soir. Ouais. Exactement. Ouais, je le sens. Mais tu sais, c'est le coca pour Cool Kid Club, là. C'est mm-hmm. pas... Mais marche. Non. C'est surtout pas une erreur d'orthographe. Puis nos moustaches, c'est à cause de... Non, t'aurais pu avoir plus dégueulasse que ça. C'est pas à cause de ça. Le mon strobe, il marche-tu ou non? Non. C'est attaché? Celui d'Ozon fonctionne. Ça fonctionne. Mais c'est sûr, ben, j'ai weird aussi. Je sais pas. Non, faut que t'ailles dans équipement, dans le menu Ace, équipement. Puis tu devrais avoir genre vers le bas, là, vers le milieu du bas. Tu devrais avoir attach item, genre hier strobe, machin. Non. Ah, yep. moi je l'ai pas besoin. Je dois pas avoir de strobe, ça veut dire. Je suis déjà non, plein. Non, c'est ça, c'est faut que t'ailles dans CG, puis c'est perk, ouais. Signal, strobe 1 ou 2. Ok, je viens de et après ça, tu vas pouvoir. Ouais, ouais non, mais j'ai pas de strobe dans mon truc, fait que j'ai rien à attacher. Exact. Bon, il faut que tu l'activer au moins une fois. Puis je les ai mis là-dedans juste pour qu'il y ait un peu moins de clutter dans nos uniformes, qu'on ait plus de capacité, mais sans avoir 10 000 petites sortes de grenades, c'est nous autres. On y va, compagnon. Yep. Allons-y. Pour dégommer ces beaux os. Et aller chercher notre Jackie Chan. On s'en va où, par eux? Fait qu'on va, on va prendre un seul bateau. Quelqu'un, mettez-vous conducteur. Donc, on est ici. ce qu'on va faire, attends. Lol, c'est donc bien laid la manière que t'as ta patte. Tu peux me soulever pendant que je suis dans le bateau, mais ok, j'ai la flashlight. Fait que j'ai mis des chiffres sur chacune des petites huttes. Fait que ouais. Y a 21 huttes. Les LZ, dans le fond, c'est des champs de. C'est des chandries à chaque coin. Ok. J'ai okay. appelé LZ juste parce que. Whatever, on n'a pas de. Ouais. Coups, fait que ça va commencer à swatcher. Probablement peut-être à rentrer par le LZ West plus que par le point assaut. Quoique le, ouais. Le point assaut c'est un key, là, mais. Ouais. Je peux avancer. Non. Ouais, avance. Check là, sur ta carte, là, j'ai mis un X rouge un peu avant la LZ West. Là, tu vas t'arrêter là, puis ensuite on va spotter un peu, puis savoir comment on s'y prend. Hein, je... C'est vrai, plus on roule, plus le strobe flash. moi, je vois plus les strobes flasher, fait que je vois rien sur la main. J'ai. Ah, c'est weird. Ah, ils ont arrêté aussi. Non, okay. C'est que, étant donné que c'est un signal, théoriquement, il doit être plus loin en arrière du bateau. Ouais. Backlash, le signal d'eau. Ah, oh, il venait se rattacher en temps réel. Moi, j'y vois encore, ok. Ok, les boys, fait que j'ai fait mon plan, ok. On va aller jusqu'à la croix rouge, je vais descendre, puis avancer jusqu'au point rouge 2 pour spotter s'il n'y aurait pas du monde dans les chandelles. Nice! Qu'est-ce qu'il y a dit? L'éclair fonctionne. Hein? Oh. Mauvais channel, ouais. Tu peux peut-être parler chez la 343 quand on parle de trucs comme ça, on entend plus ou moins, puis ça va aider à tout le monde. Ouais, copie. Sur le plan, on va la première croix rouge. Team rouge descend, va marcher jusqu'à à la croix rouge numéro 2. Ils vont checker s'il y a du monde dans le champ de vie. Si tout est good, le bateau, on va avancer, on va l'inonder. Puis Team Rouge pourra traverser en nage. Ensuite, on va aller clearer un par un les maisons. Parce que je me sens funny, on va faire une spirale, ok? On va partir de la maison 21, puis on va y aller en rond. Je vais faire une belle petite ligne pour vous montrer dans quel ordre on va les faire. Copie Team Rouge avec le Recon. Copie, je vais
Fait que si vous regardez sur la carte, j'ai fait une belle spirale de Fibonacci. Fait que ça va être dans ce tour-là qu'on va clearer les maisons. Ah, sur ta carte, contrôle Windows, pis t'as le troisième flashlight. Deuxième. Ah, moi c'est le troisième. Ouais, je vois pas ta spirale. Ah, ok, c'est bon, j'ai le caché. Elle est verte. Honnêtement, si je peux être... Non. Si je peux avoir une opinion. Non. C'est vraiment intelligent de le faire demain. Parce que tu checkes tout le shore avant d'aller vers le tunnel. Mais tu sais, on sait pas s'il risque d'avoir des QRF ou quoi que ce soit. Puis si on se fait spotter entre temps, ben tu sais, ça peut engager un peu. Things can change rapidly. En tout cas, ce qui est pas pire, c'est qu'il n'y a pas de. Il y a pas d'highway qui mène là. En effet, ouais. Les QRF ont été limités par. Sur McDonald's, au maximum de vitesse. Ouais, ça va genre 30 km/h si t'as pas. Même sur le shift? Donc ouais. Ça va plus vite que ça sur le shift. Bon, ouais, je suis fou ça. Ça n'est tellement weird. Mais quand on va baisser nos voies. Exactement. Alright, c'est qu'on s'arrête sur le bord ici, Team Rouge. Vous descendez puis vous complétez votre objectif pendant que moi et la Team Blue on atteint ici. Ça se carré pour pas. Bonjour. Good luck, Viper. Mais je t'ai perdu de vue dans la forêt. Ah, tu me suis sur un radar, je suis dans toi. Non, c'est bon, je me fais radar. Eh ouais, ça de ma fait dans son tabarnak. Ah, t'as passé au travers de la bouche, pis that's it, je t'ai perdu. Vous pouvez utiliser le Samsung avec H pour vous repérer. Vous êtes pas bien loin l'un de l'autre. Non, c'est bon, je suis capable. Je le vois sur le radar. Là. C'est juste que c'est fucké, je l'ai comme perdu instantanément. Ah, ben la lag du strobe, des fois, c'est un peu weird comment que ça phase in, phase out. Ah, ben là, il a pas flashé une fois depuis. Là. Pas vrai? Yup. Je vois tes night goggles. T'es juste. Je t'attends à ta droite. Là, ça flash. Ouais. J'étais trop à la nord, là. Dans la veste. Moteur allumé, mais on entend un boat. Ah, c'est nous, on se rapproche un peu. On est presque sur l'X.
gardien à l'eau. Puis on va fuck up. Ouais, le bruit vient de notre gauche, par exemple. Ouais, le bruit de moteur vient de notre gauche. Beau au nord de notre position. Gatif, non, vous êtes vraiment au sud de nous autres. Moi, je pense qu'il y a un bateau sur l'eau directement à notre nord. Ouais. Je vais vous marquer environ sur la map. On va débarquer, on s'en vient sur le visuel est très 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 limité sur l'autre bord, sur l'autre rive. Pour voir sur la rive, justement côté nord-ouest, voir si on peut avoir un visuel sur le bateau. N'oubliez pas de baisser votre voix, les boys. Entends plus en tout cas. Je close la marche, c'est ça. Oui? Je close la marche. Pas copie. Le plan, les boys. Bleu, vous allez rester de ce côté-ci pendant que moi et Rouge, on va traverser à Nange. Une fois qu'on aura traversé, on va vous couvrir puis vous allez traverser ensuite. Si le bateau, il se pointe, laissez-le se rapprocher le plus possible puis gonnez-les. Faut pas qu'on se fasse repérer. Ok. Rouge, vous allez. Ouais, on peut y aller. En fait, je pense qu'on serait peut-être mieux, t'as peur, on va partir. On serait peut-être mieux de se mettre les 3-4-3. Genre, c'est séparé en deux sections, puis de se parler ça à 152 pareil, genre, entre sections. Ça me permet peut-être de parler un peu plus, justement, quand on est sur Whisper. Ok, restez sur un, on va se mettre ça à deux, puis on va se parler. Copy. Copy. Deux heures interspartant. Ouais, le petit cabello. Inter-Spartan, parce que Spartan HQ, je l'ai comme pas, mais je l'entends. Ok, pas trop. Inter-Spartan, allez-y. Fait que 3-4-3, on reste sur 1 ou 2? 2. Toi pis moi, pas les autres. Ready au check? Yep. Ok, good. Alright, good to go. Ouais, c'est correct, c'est moi qui va faire la mauvaise raison. Rouge traversé. Moi je marche dans le fond et ça. Ouais, on touche au fond, c'est weird. Ferme. Copy. Véhicule. Vous pouvez commencer à traverser.
flashlight. J'ai un bateau en 250. On a un bateau en 256, préparez-vous à engager cette quoi. Je vais rester en arrière à couvrir notre bac. C'est juste une pause. On s'est poussé vers le sud. Ils nous ont pas vu, on peut continuer. On est sûr. On est sûr qu'ils ont pas débarqué personne. Affirmatif, ils ont juste pas. Ok, Team Rouge, vous avez passé devant, on va commencer à bouger vers le point 21. J'ai un visage sur des flashlights de l'autre côté du plan de riz. Deux du côté sud-est, puis deux du côté nord-est. Copie, je suis derrière toi. Le deux qui s'en vient du nord. J'aurais mieux qu'on fasse un tour synchro, mais il faudrait... Oh, mais la patrouille s'en va. Ouais. Ouais. La patrouille s'en vient, tu veux dire? Ouais. Non. Ouais, les deux s'en viennent sur nous autres. On va les engager synchro. Copy. Bien reçu. On commence à se déplacer vers le nord. Revenez sur la même radio parce que pour le vrai avoir deux radios ça me fuck quand je vais essayer de faire des tirs. Je veux pas nous séparer anyway. Ok, je pense que tout le monde entendait l'interpersonne. C'est partant, ça aurait marché non? Ah ouais c'est vrai. Non, je l'oublie tout le temps celle-là, my mais Delry puis nos autres, vous l'entendez vous autres? Oui. La fille, moi je l'entends. Fait que c'est ouais. Ça, mais qu'on donne des ordres générales 152 dans le fond sur Interspartan, tout le monde va l'entendre. Fait que ça va être les ordres générales là-dessus. Puis tout ce qui est plus dans votre team, ça va être sur votre 3-4-3 de votre team essentiellement. Ouais, copie. Copie. Ok. Ouais, donc on va contourner vers le nord. Ouais. Bouge passé devant, on va marcher vers la première maison. C'est bizarre, je vois plus les flashlights pantoute. Les flashlights ou les lasers? Les flashlights de l'autre équipe. Ben, elles sont morts. Ben, on a tué deux. On n'a pas tué l'autre bord. Oui, on les a tués l'autre bord. Ok, my bad. Il y a une patrouille qui s'est poussée par exemple. Il y en a au moins deux qui sont sur la trail. D'ailleurs. Cabane quelque part. Juste en avant de toi. Accro,
rouge, vous pouvez éclairer la maison. Je check le nord, rest. Clear. Faites ça vite. All good. Ok. On va progresser vers la prochaine maison. Numéro 18. Les boys, on vous entend parler jusqu'ici. Tout le monde se whisper, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dedans. Ouais, je le sais. Je me suis assis vite. On s'en va safe. Le nom de qui on cherchait, c'était pas Antonio en tout cas. Aucune idée, c'est quoi son nom de ce qu'on cherchait. Wong Chan. Ben, on va le menoter puis on va l'interroger. Ben c'est chiffre F1 je pense. On contrôle F1. Ouais, tout le monde rentre dans la maison, on va prendre position défensive dedans. Visuel à l'ouest par contre. Vas-y. Pas de visuel à l'ouest. Ouais. Ouais non, même bleu, restez dehors. Bleu, restez dehors, essayez de vous pogner un petit angle pour couvrir de l'extérieur, je vais rester avec rouge. Ah bonjour. Bonjour monsieur. Et qui parle pas français. Sors ton téléphone. Google Translate. Ouais. Google Translate, là. Bon ben, sorry, mais no witnesses. On continue. Mm-hmm. On va continuer vers la maison 14. Chier dans tes culottes, man, me semble, c'est COVID. C'est pour ça que j'ai exécuté en fin de temps. Parce qu'il y en a comme Neptune. Le coca, c'est par rapport à la couleur de peau. Là, c'était par rapport à la langue. Chuchote. Parfait, on continue vers la maison 10.
Oh, oh, la flashlight. Non, never mind, ça a des flashlights, mais ça dépend. Non, ça, j'ai une flashlight NVG, mais il y a des flashlights 48 degrés. Pour la traîne et une patrouille. Je dirais même qu'il y en a 4. On continue. Ok, bleu, vous allez rester ici de garder un œil sur l'individu. Rouge, essayez de flanquer par le nord-ouest un peu, prendre une position au nord du camp, voir s'il n'y a pas d'autres contacts. Bien sûr. Relayez-moi l'information si vous voyez d'autres gars ensuite. On va essayer de faire un sur synchro pour neutraliser toutes les cibles. Essayez de garder un visuel sur le gars qui est déjà là, avancez pas plus, puis donc, confirmez votre cible avec un laser. Vous avez le seul gars. T'as-tu checké à l'intérieur de la maison? Fait quand bleu, vous pouvez le neutraliser dans 3, 2, 1. Tout le monde commence à avancer vers la maison. On est sur la maison directement au nord. Il y avait un contact à l'intérieur. C'est vrai, moi j'ai de la thermale sur mes NVG. Nice. Mm-hmm. Tu veux un misfire? Parfait, on va continuer vers la maison 8. Tu veux-tu faire un test si j'avais parlé sur la 152? Non, 152. C'était quoi cette nade-là? Moi, j'ai tiré mon GL par accident sur un gars à bout portant qui s'est relevé. Ouais. Le feeling que ça venait par en avant. Chez vous autres, il y a peut-être la patrouille qui va remonter la traîne. Par l'est. Looks clear. Alright, it's clear. Copy, on va bouger sur le 3.
flashlight au nord de la cabane. Quelques centaines de mètres. Ouais, ils sont en progression vers nous autres. La cabane est clear elle-même. Copy. On va laisser la patrouille s'avancer un peu, puis on va les prendre en embuscade quand ils vont revenir à notre hauteur. Bon, genre 50 mètres au nord. Ils sont quasiment sous moi. Bon, achevez-les puis on va continuer. Je veux pas qu'il y en ait un qui sort là comme précédemment. Ouais, c'est cool. Je pense que vous avez vu, ouais. Ouais. Parfait, on continue vers le prochain camp de pente. T-152. Yep. C'était pour Delorier qui nous entendait pas, fait que c'est clair. Je sais pas, il y a eu comme un flare spontané. Un flare ou un projecteur? Je sais pas, ça a juste flashé vraiment one shot partout, mais ça a vraiment disparu super vite. C'est un bug. Bon, bon ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller longer la rivière, puis attaquer le camp LZ Nord par le nord. Visuel sur quoi? On a des lumières droit devant avec un peu de mouvement, mais rien de super précis. Au fond, il y a du monde au quai. Ouais, il y a un projecteur sur le quai.
l'air d'avoir personne d'autre dessus. Je visais une statique à 92. J'ai 3 dodes. Laser qui flash. 3 dodes au 138. Prochaine gate. As-tu quelqu'un qui est confiant pour neutraliser la 50? Yep. On a trouvé le range. Ah, c'est 115 mètres, fait que tout le monde peut pas mal tirer en même temps. Là. Je vais pogner le farthest guy. Je vais pogner le dernier. Ouais, moi j'ai ma target aussi. J'ai le troisième. Moi j'ai ça qui manque. Celui qui est sur le dernier, mets-toi sur l'avant-dernier, s'il te plaît, puis moi, quand je vais dégommer le dernier, c'est le signal pour tirer. Je pense qu'il en reste un. Good job les boys, on va aller les achever sûr qu'ils se relèvent pas. Ça en avant de Toulouse. Laisse assembler la douche coupe pour qu'il puisse nous tirer dessus dans le dos. Les murs sont glitch. Chanceux de pouvoir mettre pied sur un trip horror.
quand même. Il y a la lumière. J'ai une cible du côté ouest de la cabane. De s'être sauvé à la course. Je vais chercher une flashlight. Right, les boys, on les achève vite fait puis on s'approche de partir. Rien en cabane. Clear. Parfait, on va commencer à bouger vers la LZ Est. Traverser la trail, fait que mec j'arrive, je vais commencer à couvrir d'un bord, Pelican va checker de l'autre, puis après ça, vous allez pouvoir crasser. Copy. Je m'occupe de la droite. Cool. Je crois que je pense que j'ai vu une lumière à gauche. À 10h. Yep. Puis, un contact sur la gauche. C'est clair. Une patrouille qui s'éloigne de nous. Parfait. Bleu, on va traverser. Je pense qu'ils m'ont viré de bord. Ouais, l'ozon traverse. Ouais, la patrouille est en train de faire demi-tour pis ça vient de dans une direction. Je traverse. Ouais, on va braquer plein sud pour aller vers l'eau puis on va faire la même tactique d'attaquer par le bord de l'eau. On est tous bloqués ici. Ouais, je t'ai pris dans un tronc d'arme.
belle grosse smoke de nuit. Copie. On va commencer à bouger vers la LZ-S. Y'a-tu qui sont touchés? Pas good. Ouais, l'ozon a été touché, stand-by. Rouge, allez faire une recon de LZ-Est. Pas besoin de médic. Flashlights. Bon, les patrouilles sont en train de courir, mais on parle de nous avoir spoté directement. Faut répéter, ça m'a comme soufflé dans l'oreille. Il y a une patrouille en train de courir vraiment rapidement avec un flashlight, mais on parle de nous avoir spoté directement. Copy. On clairement alerté comparé à la dernière fois. Moi j'en compte 3. C'est spoté le bord du champ, mais je mets. Ouais, il y a de la flashlight là-bas aussi, je vois pas grand chose de précis. On s'approche de vous, par le sud-ouest. Ils sont tous en ligne, on aurait pu toutes les descendre. Médecin, je m'injecte une morphine, là. Ouf, vient de passer juste en avant de nous. Je sais tout le monde a arrêté de parler. J'ai spoté si la lumière à 68 c'est un statique, mais je vois pas grand chose. Ça a l'air d'être un gars derrière le bâtiment. Ben, semi derrière le bâtiment. Yep, c'est pas des statiques. Mais quand la patrouille, ils vont se ramener juste ici, essentiellement. On traverse l'autre bord de la rue. Fait qu'on on va les prendre en embuscade ici. Y'a tu un qui est down? Je pense. Ouais, on a l'ozone down, on va se regrouper sur lui puis on va le traiter. Copy. Attends, il est down? Pas down, excusez-moi, j'étais en mute. Copy. Est-ce que quelqu'un est touché? T'es patched up, je vais te mettre un 500 puis on va être correct. On patch le zone. Okay. Je mets 500. Ouais, il s'en allait vous backstabber, lui. Je mets 500, je m'en. Il était genre à 1 mètre derrière vous. Quand je me suis reviré puis que je l'ai spoté. Il n'y avait pas de flashlight? Oui. Ok. Ouais, je t'en arrête de toi. Fait que, Bleu, vous allez achever la patrouille au nord de la LZ, la patrouille de 3. Rouge, vous allez aller au petit shed, achever les gars, être sûr que tout est beau. Il y a encore un tachat derrière le bâtiment.
passe pas en arrière. On pogne un mur. Il est dans le bâtiment, mais il y a smoke à patente, le colis. On va attendre que ça se dissipe un peu. C'est un civil aussi à l'intérieur. Bon, je l'ai buté. Ben, j'en parle. Il y a des fruits. Ouais, il y a un dude là, mais il y avait un civil ici que j'ai buté. Que c'était pas... Il est-tu mort? Bleeding en Chris. C'est-tu lui? Celui qui est, à gauche. Regiment Québécois? Cool. Noir, peut être, non, il est... Je pense pas qu'il va s'en sortir. On a blessé un civil ici dans la cabine. Est-ce qu'il est capable de vous donner des informations? Pour l'instant, il est gone down. Alright. On va essayer de le réveiller, puis si on n'est pas capable d'avoir d'informations, bon, on va l'achever. Parfait, c'est pas long. Tout le monde, regroupez-vous sur le shed. De CPR. Tu veux-tu donner un épi? Non, pas encore. Ok. Ouais, copy, allez au shed. On va y enlever les tourniquets. On va lui donner un 1000. Check pulse. Noir trade. On va refaire un autre CPR. On va lui donner un épi de suite. Yep. Aussitôt que t'as 700, commence à lui donner un épi essentiellement. Si la pression sanguine est trop basse, un épi c'est pas une bonne idée, mais aussitôt que t'as 700, y'a pas trop. Ça peut pas donner. Ah, mais le receiving 1000 bouge pas, fait que... Partant avec vous. Ouais, il bougera pas tant que son cœur sera pas parti. Ah, t'as répondu sur l'intérieur, je pense. Ah, c'est quoi déjà la troisième radio? Control ou Alt, Caps Lock. Ah ouais, bien. CPR. T'as besoin d'aide? Non. Yep. Oh fuck. Non, je pense pas qu'il va revenir. Dernier shot. T'as fini, tu me diras. Alright les boys, 5. Stabilisez-le au PC. 2. 1. Pas si fort. Hey. Ouais, je te dis tout de suite, s'il est pas hop, on se pousse. Les boys, il y a plein de monde qui s'en viennent sur nous, bon, fait yeah. Qu'abandonnez-le. Achevez-le. Ouais. Engagez pas, on va braquer plein sud, puis on va suivre le cours d'eau. Ben, les flashlights sont au nord-est, à 306. Prends une bombe random, mets un timer de 3 minutes, puis laisse-les par terre. 5 minutes. C'est le but. Go, go, go. Ouais. Ouais, mais n'importe quoi, n'importe quoi, mets ça au PC, timer 5 minutes, puis on sac notre camp. Ça va être une petite diversion.
j'en ai pas. Nos ondes, t'as 10 secondes. Alright, parfait. On part sud-ouest. Let's go. Ok les boys, on va oublier la maison 13. Pour le moment, on va aller sur la 17. Standby sur tout le monde. On va en profiter pour repack nos mags si vous avez besoin. État des munitions, quoi que ce soit. Checkez-vous et tout. Windows, puis check si t'as pas un repack là. Moi je vais pas te le prendre. Ouais, c'est dans l'équipement peut-être. Ouais, j'ai check ammo. Pas le repack. Non, si t'as pas le repack, ça veut dire que t'es good. Ok. 4 et moins une balle. Alright. Parfois, on va commencer à bouger tranquillement vers le 17. Faut vraiment faire attention parce qu'il y aura un gros QRF qui va s'en venir sur nous si on fait trop de bruit. Fait que rouge devant est suivi par bleu. Oui. On va essayer d'attaquer le plus possible par le sud pour être bateau, prêt à passer. Il y a un bateau droit devant moi, qui s'en vient tranquillement juste sur le bord de l'eau. Engagé. Carré, ouais, mais mes lunettes étaient sales. Okay. Un petit peu à votre ouest. Je crois que j'ai vu de flashlight à ton sud nord-ouest. Ça mettra ton laser. Un éclat, je sais pas quoi. Mais... T'es-tu blessé? Non, je suis pas blessé, mais j'ai. On clear la maison, mais c'est puis on se casse. Clear. On va vers la 16. C'est là,
si vous l'avez eu. Ah, notre surprise vient de péter. Allez, boum! Personne. Ah, puis on bouge sur 19. C'est moi, il y a un éco-véhicule. Clear du côté sud-est. Clear sud-est. Flashlight, flashlight. 50. Je sais, j'ai warpé ici, what the fuck. Ne poussez pas les boys. Ouais, je me patch. C'est... Je sais pas pourquoi je me suis approché de la clôture, je me suis fait warper l'autre bord de la route. Prêt attention, il y en aura un qui doit arriver de 3.43. J'ai touché, mais pas moi. Et on va se replier sur l'étiquette. C'est bon, je suis là. Ouais. T'as tout le monde est là. Très weird. On va vers le point 19. Et on vient des flashlights sud-est. C'est un bateau. Ah, c'est un bateau au port sur le point d'assaut. Bon, 3 ou 4, on pourrait se les faire. Je vais pas si remettre ça, c'est un QRF en moins si on meurt d'encore. Attends, je vais changer de position. Bon, on peut s'avancer un peu. Type, on se contacte 2-14. Sud-ouest. Point assaut, on paraît d'avoir réagi. On peut prendre notre temps. V-
Vas-y, je vais garder un œil dessus. On prend la manzo. Ok, non, la méga patrouille est en train d'arriver de l'est. Faut se pousser plus dessus. Vous êtes au bord de la rue, déplacez-vous. Vous collez sur notre camp, on trouve une position défensable. On se replie sur le 19. Grenade. On est hop. Statut médical. Je peux pas courir, j'ai trop mal. Toi, cabine, on va te... Ouais, ils nous suivent, ils nous suivent. Turcotte, allume ton laser. Turcotte, allume ton laser. Voyons. Turcotte, allume ton laser. Ouais, repliez-vous sa cabine. Oui. Pitch-moi un mag si t'en as un trop, Turcotte. Ouais. Mais il m'en reste plus gros aussi. Il me reste genre 4 balles. Et ouais. De mag ici, il vous en manque. Very good, man, je suis impossible. Never mind. Merci. Non, j'ai deux mags. Ouais. C'est les munitions, tout le monde, combien vous en reste? Pour la MG. Comment ça qu'ils nous voient aussi? Ça arrive du sud-est. Tout le monde, on s'en va à Rivière. On va être plein sud. Ouais. T'es dans la même ligne de tir, Laurie. Les lauriers. Ouais, je vais les arrière. Prenez vers l'eau, on va essayer de les perdre le plus possible. Avance devant moi, si jamais on est gonné, je vais le tirer comme un malade. J'aimerais pas que tu crames. Allez-y. Les boys, la situation est trop chaude, on va retourner sur le point à soi, essayer de voler un bateau puis s'extirper. Puis si on voit que c'est trop chaud, ben là on ira au Zodiac. On peut traverser le bord de la rue. Ouais, je pense que ça va être trop chaud à saut, ils sont déjà rendus. Ouais. Bon, on va aller aux Zodiac, fuck it. Il faut bouger vite. Exactement, de direction LZ-Ouest, tout le monde. Médical, je m'appelle. Faudra faire attention, peut-être qu'ils auront renforcé la position. C'est correct, Ozon. Ouais, je me sens. Vas-y, Valé. De l'orient, t'es full. Ouais, je suis full, je vais poser en marche. Je pense que l'ozon était un peu en pioché, mais... Tu connais l'ozon? Juste parler à l'ozon, il répondait pas. Il
est en avant, en tout cas. Yup. Ah, oh, il répond sur la radio, fait que tu t'es good. Ok, ouais. Essayer de se barricader à LZ West. Peut-être défendable vu qu'on a le champ qui nous donne de la distance. En effet, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'extraire. Voilà, ah ouais, ça a été la recommandation du HQ. Indeed. Pas moyen de se faire ravitailler en munitions puis on est vraiment en l'eau, fait que c'est la solution. Ouais, on rappelle qu'il y a un drop direct sur le chandrier. On a tiré aussi trop d'attention sur nous. Team Rouge, vous allez traverser en premier. Bleu va couvrir. Right. Tu peux répéter? Alright. Le flair de ta main, c'est quand tu regardes au-dessus de ton épaule gauche que tu vois ton propre strobe. Ah, c'est-tu d'épée? Je me suis auto-blindé. C'est moi que c'est... Je suis plus capable d'allumer mon laser. Voyons, calice. Fuck off. Je suis plus capable d'allumer le laser. Where? Flair. L'autre bord de la rivière. Est-ce
Flashlight. Flashlight. Flashlight, droit devant. Ça va au bateau, les boys. Rappelez-vous. Ouais, tout le monde vers le bateau. Ouais, ben je vois dessus, okay. Mon laser marche plus. J'ai lancé une Higher Flare. Nice. It's daytime again. Hey, Delaurier, break un peu plus vers le sud, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi, Lauzon. Ouais, t'es pas parti à la bonne place. Il suit la ligne. Break vers le sud, vers l'eau. Non, non, pas besoin. Attends. Ouais, okay, je on y va. Bien. Ah ouais, avance. Je vois un strobe genre à 262. Ça paraît moins engagé. Ah oh, ouais. Ouais non c'est ça, c'est quand on a drop. Ah c'est ça a droppé ouais. C'est quand on a droppé, ouais ton strobe est tombé. Ah ouais ouais c'est ça. Ah, mon laser marche encore. En tout cas, moi, je l'ai fait sacrifier dans la face. Chanceux. Ah, je suis la musique de l'heure en ce moment. Non, non, on ne saura jamais ni t'es où notre one champ. Écoute, je suis prêt à parier qu'il était genre dans ceux du centre, genre 5, 6, 9 ou 12. Ouais. La seule qu'on a skippé, c'est la 14. Hein? La 13. La 13, imagine si c'était dans elle. Hey man. Pleurais. Non, non. J'assassine. Ben. Souvenez-vous qu'on parle pas la langue, imaginez que c'est le premier. C'est pas le bon nom en tout cas. Ben ouais, non, mais ben, ici, je vais donner des infos. Oh non, peut-être pas. Si c'était lui, on l'a buté. Ouais, exactement. Surcote l'a buté. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça, c'est le leading officer qui est responsable dans tous les cas. Fait que... Non, mais aussi c'est moi qui a posé sa gâchette, mec. Aussi. T'as pas compris. Ben, c'est ça, ça n'a pas besoin d'être par intérim. That felt like a happy triggering. Mais ok, les boys. Ok, les boys, la version officielle, là, c'est que tous les civils non armés qu'on a tués, ils étaient armés en fait. The picture. Roger that. Pourquoi tu parles encore radio si on n'est pas sur le Whisper? Je sais pas. Toi. Je veux être sûr que tout le monde m'entende. Pourquoi il y a une grosse lumière en avant? C'est la base. Il y a un contact derrière. Côté 343. Qui est blessé? Pas touché. Donc, il a mangé une balle. Correct. Coach correct. Médical, stable, Turcotte. Bah, de la Turcotte, il te manque un peu de sang. Ouais.
Ouais, on a, ça date du 1 bout. C'est vrai. Hop, la lumière, c'est notre base. Moi, je suis certain que c'est Tremblay qui m'a warpé par erreur à l'autre bord de la route, Tremblay. Ah, peut-être. Ouais, ça va. Je venais juste de me coucher en terre en plus, là, j'étais là, what the fuck? Imagine notre base a été. Tu sais, moi, je tirais sur l'ennemi depuis avant que tu te warpes, puis tout d'un coup, j'ai vu ton nom apparaître, hein, j'étais comme. C'était un éclair. Ouais, ça, c'était Dieu. Mais, hey, pour de vrai, là, moi aussi, j'ai pensé au scénario que finalement, ben. Les gars, ils ont pris contrôle de notre porte et on se fait dessus en arrivant. Ouais, vas-y, moi l'autre porte. Ah non, ça arrivera pas. Ben il est juste les corps, hein. Ouais, c'est vrai, puis vu qu'il nous a probablement entendu, ça va être ça. Ce qui serait drôle, c'est que tu passes tout seul en bateau puis nous autres, on soit déjà débarqués. Est-ce que vous ralentissez pour être ça? Ouais, ralentissez. Tu devrais allumer le moteur électrique. Sérieux, il y a un mode qui te permet de pagayer, ça. Tu peux éteindre le moteur puis tu peux avancer pareil, genre sans faire de bruit. Nice. Il permet aussi de cacher le bateau, genre tu peux comme l'enterrer. Je trouve ça mané ce mode. De la cool shit. En tout cas, dans la base, il n'y a pas de cover, fait que s'ils sont pas dans les cabanes, s'ils sont pas dans les cabanes, il n'y a personne. Si, ça ne suffit. Ben, il y a de la flashlight, hein? Ouais, flashlight. Non, je peux pas tirer tout le monde dans la droite. On va y pogner de l'autre bord de la rive, sérieux, parce que là, dans le bateau. Ouais, ouais, faut débarquer. Ouais. Je vais pas aviser de. Si, j'avais. Allez, oh, fuck. C'est une jeune off. On débarque. J'arrive pas. VV. Ici, en visu, cette ici, j'ai une belle vue. Ouais, t'es où en otage présentement? Parfait, on vient de sauver. Est-ce que tu peux faire quoi? Oh, ouais, man, tu tires pour le tour, man. Qui gigote. Delorier, toute la mission, t'aurais pas dû gêner de grêler quand t'avais MG, surtout que t'as un silencieux. Ah shit. Ok, je me sacrifie, j'ai plus de munitions. J'ai 3 mags. Ouais. Rouge traversant en premier, bleu en tout cas. Pistolet. Je suis en pistolet. Simple. Non, il est caché. Faut sauver H. Une ER frag d'un verre, ça serait bien. J'en ai plus malheureusement, j'en avais juste une. Sinon j'ai des fleurs régulières. Négatif. Attendez qu'on ait traversé. Si tu veux, tu peux achever ceux qui sont couchés pis dans le zoom. Night vision. Never mind. Ouais, les boys, on va sécuriser chacune des cabanes. On
va comme de gauche vers la droite, puis celui qui trouve HQ en premier a le droit à un popsicle. J'ai un contact dans le quatrième banc. J'ai entendu tout ça, moi. C'est HQ. Il est armé. Ok, ok. Okay. On a HQ d'otage dans la quatrième baraque. Ah ouais, Tremblay est en avant. Première clear. Deuxième clear. Ok. Stand by les boys, on va attendre Bleu. Bleu, essayez de vous regrouper sur nous au PC. On est à la troisième maison, personne soir. Oh. Il y a quelqu'un dans la troisième cabane? Ouais. Faites attention, vous direz, on a HQ en otage dans la cabane suivante. Hey, troisième cabane. Never mind, James. Oh, ouais, ça t'a touché HQ. Park it down. Et de healer HQ plus que ça. Ouais. Allez, les medics sur HQ au PC. Les autres ont fait un périmètre de sécurité. Ceux qui ont des balles devraient rester à l'extérieur. J'ai essayé de finir le double. Free prisoner. Non? Aïe aïe, Bobo. No injuries. Prendre prisonnier? Oups. Free prisoner. You're too fat for that treatment. Peut-être parce que tu l'es à cause du script. Ouais, moi je prends pas de chance, je ramasse son gars. Attends un peu, elle est plus. Ça fait weird sur le Zeus quand que. là, tu peux me free, je pense. Techniquement, je suis encore. Fait que... Ouais, t'es free présentement, genre. Tu peux take prisoner, genre. Ouais, c'est moi qui. Attends une minute, tu m'as tué? Tu peux te reprendre prisonnier, mais je peux pas te libérer. J'ai des beanbags, s'il y en a d'autres qui s'en viennent, fait qu'on va les capturer 20 puis les torturer, man. Jamais weird. Au pire, fais-toi une autre unité que tu peux contrôler. J'ai vu qu'est-ce que tu t'es pris. Oh mon petit. Beanbag. Bing bang bang. Ah, ok, t'as peu. Là, il me dit que je t'ai encore. Alors, c'est moi qui ai pris, attends une minute. Ah. Là tu l'es, je peux te free. What the fuck, je peux plus bouger ici. Rapid inspection. Puis les full inspection chez toi. Ouais, ça c'est juste pour checker son inventaire pour que KTL puisse. Ouais, t'es comme jamais, c'est weird. Oui, je suis jamais solide. Il a ramassé son gun. Ouais. Split cassé twerp. Tu vas pas déjà bien quand t'es en torse qui bataille de building. Bon, on va mettre le gun à terre. Bon, non, je t'ai encore jamais. What the fuck? Ready, t'es jamais? Ouais, ouais. Je suis jamais avec le cou cassé par en arrière. C'est attends, bizarre. Je vais te débugger, man. Tu vas me tuer? Ok, non, là, ça arrive juste face au sol. T'as-tu essayé de le take et de. Je l'ai d'accord. Oh, peut-être. Bon, ça marche pas plus. Non, tu l'as tué. Non, je l'ai knock-out. Ok, ben il manque plein de sang, là. Ouais, je le sais. Bon, peut-être qu'il se réveillera pas, hein. Sinon, abort puis revient trembler, c'est. Je donne une huile. Ouais, il y a Abort qui va revenir. Ouais, je pense que je vais faire pareil. Débugger aussi? Mmh. Ah.
Channel switched. Ah ouais. Ouais, c'est curieux. Il y a un bug avec, par exemple. On va en prendre des Flareyar. Donc, le rapport. Est-ce que ça pourrait être le jour? Ouais, en effet, ça serait. Non. Ça serait... Ah, si, j'étais encore bugué. What the fuck? T'es sûr, c'est pas ton contrôle, Jean? Je t'en ai demandé si c'est pas mon clavier. Là. Ouais. Ça arrive. Bon, ben. Ouais, dis-moi ça sur 4. Fait que on a rencontré que des suspects armés. On les a tous neutralisés sans problème. Aucun d'eux a été coopératif. Puis on n'a pas trouvé la cible, malheureusement. On a fait trop de bruit, fait que on a dû s'extraire plutôt prévu. C'est ça. Okay. Et j'insiste que tous ceux qu'on a tirés étaient armés. Ouais, c'est ça. Bon, effectivement, celui que vous devriez sortir avec l'outil le buté. Je tiens à préciser que c'est moi qui l'ai buté. Ok, ben peu importe. Je viens de le voir dans mon quand j'ai quit. Civilian 02. Fait que non, ouais. C'est ça. Bon, on tirait au travers de la tôle, là, fait que c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Il y a on pas eu de tirait chance, une flashlight. Mais c'est quelqu'un gauche en arrière de lui, dans le fond, dans la même pièce. Et c'est ça, moi j'ai tiré, genre, j'ai tiré juste au-dessus de la flashlight, mais j'ai pogné les deux. Mais c'est comme bizarre, on avait LOS sur la flashlight, mais pas d'LOS sur le gars qui tenait la flashlight. Ouais, mais il y a comme une caisse à côté de Stewart, je pense qu'il était buggé dedans un peu. En tout cas, il n'y a pas eu de chance. Est-ce que Tremblay, t'avais déjà prévu qu'en revenant à base, il y en avait, ou vu les circonstances, c'était le. Non, merci pour l'idée de dernière minute. Par tout hasard, Dieu est toujours à l'écoute. C'est-tu toi qui m'as warpé par erreur à l'autre bord du chemin? Non. Ah, ok. Ouais, Mané, c'était des parties bizarres. Non, j'ai pas touché aux joueurs de la mission pendant tout. On était tous du même bord du chemin, puis à un moment donné, il y avait des flashlights l'autre bord. Je me suis couché à terre, je me suis retrouvé l'autre bord du chemin dans le tronche. Ah ok, non, j'ai même pas utilisé de fonction avec les joueurs pantou de la veille. Okay. Ah, ça me fait penser quand je me suis téléporté dans la région qu'on visait. Ouais, mais ça, d'après ça moi, je me suis armé sa clôture puis j'ai revolé l'autre bord, parce que j'étais blessé dans l'autre bord. Peut-être. Ouais. Ça, je t'ai vu coucher l'autre bord de la clôture, je pensais que t'étais down là-bas, j'étais trop de fuck aussi. Okay, bien. Bien. J'ai vidé mon clip, j'avais plus de balles dans mon gun, j'ai pris mon pistolet, j'ai dit un sac à dos. Non, c'est tout le long de la veillée, vous avez bien pensé de tuer, réellement tuer, les cibles qui étaient par terre, sauf un seul dude au début de la mission. Puis lui, il s'est relevé, il est parti à course, il a alerté une première troupe qu'il a vue. Fait que là, j'ai comme généré des troupes pour dire, ok, ils vont aller voir là. Puis tout le long de la mission, ils vous ont suivi, même. On bougeait juste assez vite. Ouais, c'est ça. Vous bougez assez vite, qu'ils n'étaient pas capables de vous rattraper. Mais ils étaient tous en mode combat. Puis c'était quasiment genre une troupe de 8-9 gars, là. Mm-hmm. Puis moi, là, je faisais en sorte qu'ils vous traquaient. Fait que je mettais des points par où est-ce que vous aviez passé. Mm. Nice. Le seul moment qu'ils ont réussi à vous rattraper... OK, c'est quand que vous avez tué le gars. Là, ouais. Ben, vous avez tellement déguerpi vite qu'ils ont même que avec le champ de vision puis le spotting crispement en bas, ben ils vous ont pas vu partir. Puis là, ben ils ont comme cherché un petit peu dans cette zone-là. Mm. Là, ben, à un moment donné, il y a comme une autre troupe de 7-8 gars qui ont passé à côté de vous autres, mais eux autres, il n'y avait pas de flashlight. Fait que c'est pour ça qu'ils lançaient des flares au-dessus de votre tête. La bombe avec la minuterie, ça nous a-tu aidé ou ça nous a nuit? Pas du tout, ça a trop pris de temps. Ouais, c'est trop. Elle a pété avant de se passer. Ouais, il y avait plus de troupes pantoute dans le coin-là, genre. Ils ont pas vu de bord? Non, ils vous traquaient ben trop. Tu l'avais dit, c'était pas 5 minutes. Ouais, c'est ça. On aurait dû mettre ça genre 2 minutes. À 2 minutes, ça nous aurait probablement pété dans la face. Oh, c'est... Ouais, nous, il était trop tard pour s'ostiner là-dessus sur le tas.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, je pense, laisser des petites surprises de même quand on se fait poursuivre, justement. Ça peut être vraiment nice. Puis, cette mission-là, c'était vraiment, là, vous étiez suivi tout le long, là, parce que vous étiez en dénombre. Mm-hmm. Vous n'étiez pas dans votre région. Puis malgré qu'eux autres aient diminué, ben, eux autres connaissent ce terrain, puis ils savent comment vous traquer dans le terrain. Je tiens à préciser qu'il y avait 23 bâtiments à scanner, on avait clairement pas assez de munitions. Ah, oh, ben, il y avait clairement assez de munitions pour le nombre d'ennemis qu'il y avait, par exemple. Ouais. Surtout que vous avez pas débarqué. On a gagné. Surtout que vous avez pas débarqué au point spécifique du début. Ouais. Enfin, débarqué là. Parce que juste, ben, je l'avais dit, mais c'est pas grave. Mais justement, il y avait 6 gars déjà drette là en partant. Fait que, okay. Déjà là, avec des tirs. Mais tu sais, tout le long, vous avez quasiment fait des tirs groupés ensemble. Fait que déjà là, ça prend beaucoup moins de munitions. Mm-hmm. Bien que vous êtes pour aller descendre un doux de terre, en tout cas, tu l'as fait au moins une fois, je t'ai vu faire. Vous switchez votre pistolet pour sauvegarder les munitions, votre arme principale. Moi, j'étais bien content d'avoir un pistolet prêt. Ouais, hein? Et là, que, j'ai même pas eu besoin de pistolet. Mais il y a un fuck quand tu switches au pistol puis tu reviens à l'arme principale qui était genre en semi-auto, tu reviens à l'arme principale puis il est en full auto. Ouais, ça c'est. Ah, ça se peut, ouais. Ça se peut, ça. Puis ça, puis dans l'eau, quand ton gun passe dans l'eau, ben là tu ressors de là, ton setup red dot est plus là, t'es rendu sur le scope. Puis le laser ouais, est reset. Mm-hmm. Non, c'est pas que le laser est éteint, parce que si tu lèves ton gun au-dessus de toi, il va non, être allumé, non, c'est non, juste non, que l'eau devant. Je te le dis, quand tu descends trop bas dans l'eau, il est éteint. Ah, ouais. Ça c'est des choses que je savais même pas moi-même, j'ai jamais remarqué ça. Yep. Ouais, okay, c'est ça. C'est même, il reset essentiellement. Le deuxième shot que le groupe vous a rattrapé, puis là, ils ont réellement vraiment bien rattrapé, c'est quand que vous avez comme voulu traverser un chemin puis qu'il y avait trois doutes dans votre face, trois, quatre doutes dans votre face, vous avez comme engagé eux autres. Là, ben eux autres, ils s'en venaient en arrière, puis ils ont commencé à vous gonner. Puis vous avez retourné le feu, mais ça les a tout fait coucher à terre. Quand vous avez retourné le feu, fait que là, ils ont comme stallé perdu votre trace. À la course, ouais. Ouais, puis là, vous avez comme perdu la course, puis là, ils vous ont carrément perdu. Mais quand vous avez tiré dans le tas vers leur direction, vous n'avez touché une coupelle parce qu'il était rendu lent en vache. Ah, j'ai pitché une nade aussi. Non, c'est sinon, overall, ça a bien été. C'était hyper scanning tout le long. Là. Ah ouais, c'est ça. C'était exactement fait pour ça. C'est pour ça que j'ai mis la nuit, que j'ai pas mis de NVG aux ennemis. J'ai puis, les yeux qui pleurent. Puis que je voulais dans une jungle parce que je voulais justement mettre un genre d'effet de tu sais c'est full stuff puis c'est dur de voir au travers puis ouais c'est dense puis tu sais des fois selon l'angle que t'as il peut y avoir quelqu'un qui est quand même relativement proche mais tu le vois pas tant que tu te lances pas de côté puis les arbres s'alignent de la bonne façon puis soudainement tu fais comme hey, comme 6 flashlights d'être là. Oups. Ouais, comme le petit médic qui avait réussi à survivre au deuxième champ de riz, puis qui avait suivi l'ozone tout le long, puis à un moment donné, je fais « Il est où? » Je l'entends, mais il est où? Puis là, je cherche. Puis là, j'entends l'ozone faire « J'entends l'ozone parler à la radio, puis je fais « Ah, ben tiens, il est là! » Puis on s'en regardait tous les deux, genre, j'ai fait « Moi, j'ai une question. » De retour. Quoi? De retour, j'étais parti aux toilettes. un moment donné, on était dans un champ de riz, puis moi et Lozon, on essayait de trouver les trois cadavres pour confirm nos kills. Mais on a entendu un coup de rechargement. C'était quoi ça? Ça, je sais pas, si j'étais pas à côté probablement. Ok, parce que même Turfette l'avait entendu, puis il était quand même très loin de nous. Un quoi? Ok, quand il y avait quoi qui avait rechargé à côté de nous autres, genre comme si c'était dans notre face. Ça se peut que ça soit un gars qui était peut-être pas mort totalement en bas, puis qu'il y a eu comme peut-être une animation de rechargement, ça peut arriver. Ok, c'est bon. Est-ce que tu vois un de nous autres qui a rechargé, puis que le son est porté plus loin qu'il devrait aussi? Ça ouais, arrive, aussi, ça. Ça pourrait arriver. Il y a des bugs un peu weird de son, entre autres. Ouais, le whisper, il était pas si whisper que ça. Oui. Pas, oui, ça marchait, oui, ouais. Oui, pendant un bout, là, j'ai pris le contrôle d'un gars pour vous traquer, là. Puis le whisper a fait que je vous trouvais pas parce qu'il y a des petits momentanés que j'avais des petites bribes de paroles, mais c'était tellement saut. Fait que c'était dur d'avoir la direction, genre. Fait que je vous ai cherché crissement longtemps.
C'est sûr que tu parles fort aussi en plus, ça paraît, mais sinon c'est quand même raisonnable. Whisper, c'est pas complètement silencieux pour rester relativement raisonnable, mais tu sais, genre, tu peux être vraiment proche d'un Whisper. T'sais, à un moment donné... t'as vraiment Whisper, là, genre comme ça. Là. Ouais, ben tu sais, genre juste une coche en dessous, là, ça se rend quand même assez loin là, en jaune, mais si tu le mets vraiment au minimum, t'sais, justement, à un moment donné, on je pense que c'est le deuxième chandrier dans le fond, là, et les dudes ont passé là, comme à 25 mètres de nous autres, puis j'étais en train de parler sur la radio pendant qu'ils ont parlé, quand ils ont passé, puis ils ont rien entendu, on continue à courir. Là. Tu nous as backstabé une couple de fois, là. Ben, c'était fait pour ça. C'est une mission commando, tu sais pas ce qui arrive, pis t'es entouré, pis... À un moment donné, ils sont un petit peu plus loin, moi je viens de me repatcher, pis là, ça... Pis là, hein, c'est quoi ça dans le bois? C'est une flashlight? Calisse, c'est quelqu'un? Badang! Je me suis refait toucher la même jambe. Oh, nice. Nice. Non, mais j'étais chieux cette game-là, j'ai un minor bruise, that's it. C'est ça, puis tu sais, des fois, il y a un petit mode qui permet des objets à tirer un peu au travers. Des fesses suppressant. Ouais, puis c'est ça, là, j'ai toglé ça, puis tu sais, des fois, il vous tirait genre comme des hosties de malade au travers des feuillus, parce que là, il était comme curé de vous chercher, fait qu'ils se sont dit, bon, on va essayer d'en toucher un pour les ralentir, mais je pense pas que ça a fonctionné ben. J'ai touché deux fois au bras, puis une fois au torse, moi. Ah non, deux fois à la jambe gauche, puis une fois au torse. Là, faut-tu dire que t'étais pas mal en fin de peloton aussi? Mm-hmm. Fait que si moi, normalement, il y a des humains derrière qui spreadaient. T'étais derrière la fin de peloton? Ouais, moi, j'étais tout le temps dans le dernier. C'est juste, j'ai tendance à être un peu plus à gauche ou à droite, parce que j'essayais de suivre la... comment dire... l'anneau. Ça, t'es un aimant à balle, là. moi, comme j'ai dit, j'ai tendance à trouver le gars en arrière, puis comme, calisse, c'est pas un de nos alliés, ça. Parce qu'honnêtement, la flashlight, je pense, de Cloutier hier, là, ça me fuckait. Ouais, moi aussi. Tu vois ma flashlight hier? Oui. Ouais, pas vrai? Je pensais qu'il marchait pas, les flashlights hier entre personnes. Ah, ok. Oui. Ouais, c'est cool, c'est un peu maintenant, parce que tu sais pas si c'est une vraie flashlight ou pas. T'es comme, what the fuck? C'est ça. Fait que j'étais là, c'est-tu Cloutier? Oh, Cloutier, c'est un ennemi. Ouais, au moins, je flashais. J'avais un strobe. Mais ouais, c'est pratique en Christ, l'illuminateur hier, là, ça permet vraiment de voir pas mal plus de détails que je sens. Oh. Là, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est des gentils? Tu es le premier chinois venu? Le premier chinois brésilien. Holy shit! C'était proche, ça? Hein? Hey, c'est un alien, ça. Ah non. C'est un goddamn. C'est un turcotte. Oh. Cemetery. Pataouf! Pataouf. Fait que c'est ça. On ne tue pas des civils. C'est du sentier électrisé. Même s'ils parlent pas français. Google Translate, vous êtes une gang de caves. Désolé, Major, mais notre nom de squad, il portait à confession. Écoute, Tremblay. Mais le Google Translate, j'ai trouvé vraiment le nom du pays, j'ai un mot café dans le dernier coup, pareil, j'étais pas mute. Ouais, on sentait qu'il y a de la misère à tomber. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines missions, à ce temps, je vais tout le temps me loader un short barrel Cosmos avec des beanbags, puis quand je voudrais exécuter un civil, ben je vais juste mettre un beanbag. Ça le tue pas. Ça va satisfaire ton... Ça va satisfaire tes... Ça dépend. Mes impulsions. Ta soif de psychopathie. Si tu vises une tempe ou un œil, je suis pas mal certain qu'il va mourir. Oh ouais, à short range, anyway, il va mourir. Point. Direct dans la tronche. C'était pas une action qui a été... c'était pas quelque chose qui avait été fait dans l'affaire des universités? Ouais, dans le coin des casseroles. Ben, les gens qui se sont mangés des projectiles de l'Oriole puis ont perdu un œil, ça c'est un classique. You were moved. User was moved to your channel. À mauvaise place au mauvais moment.